Merci, Denis. Bon, ben, ils ont déjà dit beaucoup de choses, évidemment. Vous avez aussi le programme entre les mains. Je crois que ce qui est très important de dire, bon, déjà, sur cette union, c'est vrai qu'on nous interroge souvent. Il faut bien dire que cette union, c'est une nouvelle page de l'histoire politique de la France qui s'ouvre. Il faut arrêter de regarder ce qui a été pas fait, ce qui a été mal fait, qui a fait quoi, etc. Aujourd'hui, on est dans une situation où le peuple de France a parlé, et sur cette circo aussi le peuple a parlé, puisque tout à l'heure Lionel faisait allusion aux législatives de 2017, mais on a bien vu donc, que la France insoumise était déjà dans une dynamique à cette époque-là, donc seule, hein, sans alliance et sans union, dans une dynamique très forte, présente au second tour, qui a été remportée par la vague de La République En Marche. On voit bien aujourd'hui, quand on discute avec les gens, La République En Marche, ça a déçu tout un tas de monde, même des gens qui croyaient réellement. Donc le constat que font la plupart des partis, à part La République En Marche, c'est un constat d'échec cuisant sur toute cette politique. Mais donc, on voit bien que pour les gens qui s'interrogent, il ne faut que vous, enfin, faut avoir aucun doute sur la victoire tout à fait possible et plausible de la NUP sur cette circonscription. On est dans une dynamique extrêmement forte, donc issue des présidentielles. Il y a quand même un tiers des gens qui sont allés voter, qui ont choisi le programme de Mélenchon, mais donc aujourd'hui qui est repris. Sur les 690 mesures de la France insoumise, il y en a 617 aujourd'hui qui sont l'accord programmatique de l'Union, hein, de cette nouvelle Union populaire. Donc, massivement, les Français se sont prononcés pour un programme de rupture. Donc, aujourd'hui, c'est ce programme qui est proposé et on a vraiment des très bonnes chances d'y arriver. Donc, je pense que un des points très très forts de la France insoumise et qui est aussi un des points très forts de cette nouvelle union, d'ailleurs on l'a montré, c'est l'engagement citoyen. L'engagement citoyen qui est au cœur de la démarche, donc avec cette idée de dire on va arrêter ce gouvernement vertical qui donne des ordres au Parlement, le Parlement en caisse d'enregistrement qui vote comme un seul homme ce que le président a décidé. Ça, c'est pas possible. Il faut qu'on redonne une vraie place au Parlement dans ce pays. Et ça va être un des premiers travaux qu'on va faire en arrivant au gouvernement. Donc, on a commencé aussi à mettre en place ce genre, ça existe déjà, le Parlement populaire à l'échelon national. Mais nous, on a créé aussi, d'ailleurs, vous pouvez y adhérer, on a créé un Parlement d'Union populaire de la 12e circonscription. Pour redonner la place à tous les citoyens qui le souhaitent, qu'ils soient syndicalistes, associations, citoyens lambda, comme j'allais dire comme vous et moi, pas tout à fait, mais en tout cas qu'ils soient, voilà, tous les gens qui souhaitent participer à l'élaboration des lois et à la politique dans cette circonscription auront leur place. Et l'idée aussi, c'est, Christophe en parlait tout à l'heure, il dit qu'il y a une grande partie de ce territoire qui arrivera, certes, mais on a quand même une circonscription assez bicéphale, avec quand même un territoire au nord avec une forte densité de population qui a quand même des problématiques plutôt périurbaines, et puis avec au sud en effet tout un territoire très vaste et très rural. Et bon, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un clivage qui est de plus en plus prégnant et inquiétant entre la métropole et la ruralité. Donc c'est un clivage qui existe depuis longtemps en Gironde, on l'a vu lors des élections départementales, même au sein même de la majorité départementale, avec des clivages très forts entre les socialistes de la métropole et les socialistes de la ruralité. On sait les combats qu'il y a eu pour la présidence du département. Et on a d'ailleurs toujours soutenu cette présidence rurale, parce qu'on sait que la métropole est déjà suffisamment forte comme ça. Et donc l'idée aussi de ce Parlement de la 12e, de la politique que je souhaite mettre en place avec Lionel, c'est vraiment d'installer tous ces gens ensemble et qu'ils se reparlent. Que les urbains disent aux ruraux quelles sont leurs problématiques, que les ruraux disent aux urbains quelles sont leurs problématiques. Sur les questions d'écologie, on sait très bien qu'il y a des clivages qui sont énormes, avec des urbains qui disent aux paysans mais arrêtez avec le glyphosate, et des paysans qui répondent mais attendez, c'est pas si simple. C'est nous, on a besoin de notre école, on a besoin de manger tout simplement, donc on ne peut pas passer d'une pratique à une autre de cette façon-là. Donc ça, c'est évidemment au cœur de notre programme, parce qu'il y avait Madame l'adjointe qui était inquiète de la place de l'écologie dans le programme. Soyez sûr que la règle verte, donc c'est
c'est un des bras armés hein, du programme de la France Insoumise et de la NUP aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, le principe, pourquoi on veut renverser la table? Pourquoi on veut partager les richesses? Pourquoi on trouve ça insupportable? Parce que l'urgence de transformer nos méthodes, de transformer notre façon d'exister sur cette terre, elle est impossible à réaliser, cette transformation, si on ne repartage pas les richesses. Nous, on part du principe de dire, et je pense que voilà, c'est ça le cœur de notre message, c'est de dire, avec une matrice libérale comme on en a aujourd'hui, en France et en Europe d'ailleurs, c'est impossible de faire réellement de l'écologie, de réellement laisser à la planète le temps de refaire les ressources qu'on lui enlève. Il faut arrêter cette logique de recherche du profit. Si on continue dans la logique de recherche du profit, on ne pourra jamais ralentir le rythme et revenir à des pratiques qui sont respectueuses des capacités de la planète à se reconstituer. Voilà. Donc c'est vraiment la base. Et donc l'idée, par exemple, qu'on propose et qui a été acceptée dans les 6 ans de cette mesure, c'est d'inscrire cette règle verte dans la Constitution, de façon à sanctuariser cette règle verte et à organiser l'économie autour des besoins et non plus sur la recherche du profit. Voilà. Donc après, moi, je vous ai donné des grands éléments. Évidemment, il y a énormément de choses à dire également sur la santé. Il y a énormément de choses à dire sur l'éducation. On assiste aujourd'hui à une privatisation de l'un comme de l'autre. On voit les services d'urgence fermés, des lits ouverts dans les cliniques, comme un effet de masse communicant. C'est une catastrophe totale. Hein. Donc, j'étais sur le rond-point de Pellegrin hier avec les urgentistes. Enfin, je ne vais pas vous faire un schéma parce que de toute façon, c'est dans toute la France, il y a un problème qui est crucial. On a eu une crise sanitaire pendant 2 ans. Il y a eu un plan de relance qui a fonctionné pour toute l'économie, mais sauf pour le sanitaire. Enfin, moi, c'est un truc que je n'arrive toujours pas à comprendre, j'en bafouille, parce que on nous a bassiné avec une crise sanitaire et les seuls qui n'ont pas eu d'argent, c'est tout le secteur de soins, tout le secteur du lien. C'est essentiel. Alors on a applaudi les essentiels et puis j'espère que ça leur permet de remplir leur frigo parce qu'en fait ils n'ont pas eu grand chose d'autre hein. Donc évidemment on nous bassine avec le Ségur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Ségur, en effet, il y a eu quelques petites dizaines d'euros, un peu plus d'une centaine d'euros, je pense qu'il y en a qui peuvent en témoigner sur les fiches de paye. Sauf que, alors c'est déjà ça, hein, bien entendu, on ne va pas cracher dans la soupe, mais déjà d'un, c'est totalement insuffisant par rapport aux besoins réels. Et puis les structures, les infrastructures en elles-mêmes n'ont pas eu du tout les dotations qu'elles attendaient. Donc aujourd'hui, qui se retrouvent dans des situations de déséquilibre financier, on a eu l'occasion de parler avec un des responsables du FAM de Montségur, qui nous expliquait ça, qu'en fait, il y a eu beaucoup de communication, mais que dans la réalité, dans les caisses, il n'y a absolument pas ce qui est promis. Donc voilà, des situations comme ça, il y en a dans tous les domaines. Donc moi, ce que je vous propose, c'est plutôt, si vous avez des questions, puisque c'est quand même une rencontre, donc qui est quand même un système de questions-réponses, je voudrais juste terminer par un point qui est très très important aussi, qui est l'Europe. Parce que on nous dit beaucoup, ah mais oui, mais vous êtes contre l'Europe, vous voulez sortir de l'Europe, vous voulez... Non, on n'a jamais dit ça. Ce qui a été dit, et d'ailleurs ça fait partie des 33 mesures sur les 650 qui vont être laissées à l'arbitrage des groupes parlementaires à l'Assemblée, puisqu'il n'y a pas eu d'accord là-dessus, mais je pense que c'est vraiment une question de sémantique. Donc la France Insoumise a dit on veut désobéir, et puis les autres ont dit on verra, on négociera, etc. Et nous ce qu'on a dit c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui on a une Europe qui est structurée autour d'une matrice ultra-libérale. Depuis 2011, l'Europe a fait 63 injonctions aux États membres pour diminuer les dépenses de santé. 63 injonctions depuis 2011. On voit où ça nous mène, enfin je veux dire, il n'y a pas que la France. Donc c'est impossible de continuer sur un rythme comme ça. On a fait une Europe économique. L'Europe, c'est une belle création. La France est un des membres fondateurs. Il n'est pas question de sortir de l'Europe. Il est question de renégocier et de dire aux États membres, je pense qu'on est dans une impasse. Et il faut qu'on reconsidère notre façon de faire l'Europe. Aujourd'hui, les entreprises qui ferment en France, depuis 2008, il y a 50
entreprises par mois, 50 entreprises de plus de 50 salariés par mois qui ferment en France. Qui vont où ? Qui vont en Europe. Parce qu'il y a une concurrence fiscale, il y a une concurrence économique à l'intérieur même de l'Europe entre les États membres. Donc ça aussi, ça prouve bien que l'Europe n'est pas du tout terminée d'être constituée et qu'il faut absolument qu'on fasse aujourd'hui une Europe sociale, une Europe du droit des travailleurs, une Europe qui permette, qui arrête cette concurrence. On a des paradis fiscaux, alors il ne faut pas le dire, mais moi je vais le dire quand même. Le Luxembourg, l'Irlande, ce sont des paradis fiscaux. À l'intérieur de l'Europe, comment c'est possible? Comment est-ce que cette financiarisation de l'économie qui fait qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise ont les yeux braqués plus sur les cours de l'action que sur le fonctionnement propre de leur entreprise? Je parle des PME, mais il y a aussi des grandes entreprises, c'est encore pire. Les salariés n'ont plus aucun, c'est juste des numéros. Et par le biais de la concurrence fiscale que se font les États, eh ben, quand l'entreprise devient pas rentable, on délocalise, on part en Pologne, on part... mais on reste en Europe. Donc il y a bien un réel problème. L'idée de l'Europe, c'est absolument pas de la quitter. Au contraire, on a toujours été, je crois que les politiques de gauche, ça a toujours été des politiques de partage et de mutualisation. On a bien conscience que plus on est, plus on est fort. Donc l'Europe, c'est une belle création, mais il faut maintenant faire une Europe sociale et solidaire. Je sais que Christophe m'avait parlé du souci qu'il y a particulièrement à Sauveterre de trouver un logement pour les gens. Donc sachez que ça aussi, c'est pour nous, moi je suis adjointe en plus à l'habitat sur Créon, donc c'est des questions qui me touchent particulièrement et qui me touchent particulièrement parce que le logement, c'est le premier des droits. Le logement, quand on a un logement, on a le droit de vote, on a le droit à la vie familiale, on a le droit à trouver un travail. Quand on n'a pas de logement, tous ces droits sont terminés. Donc c'est vraiment la première chose. Un logement décent et un logement bien isolé, évidemment. Donc ça, ce sera aussi une des grandes batailles qui aura à mener, entre autres, mais qui est fondamentale. Qui est fondamentale parce que c'est avec un toit qu'on commence à être un citoyen. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment aussi un des premiers cœurs de bataille. Quoi. Avec la mobilité, évidemment, Christophe en a parlé aussi, le rétablissement des services publics, parce qu'on voit aussi beaucoup trop les services publics s'éloigner. Alors, en périurbain, on a un tout petit peu moins ces problématiques, mais dans le monde rural, c'est une catastrophe. Et donc, l'idée, qui fait partie des 617 mesures, c'est de garantir, soit par des transports en commun, soit par un remaillage du territoire, par les services publics, un retour des services publics dans les territoires, mais de faire en sorte qu'on ne soit pas éloigné de plus 15 à 30 minutes maximum des services publics essentiels, comme la poste, les établissements scolaires, etc. Voilà. Donc écoutez, je vais m'arrêter là, et évidemment je vais répondre à